Attention au matériel. Pour apprendre à nager le crawl, il y a une infinité de méthodes, mais toutes ne se valent pas. Personnellement, nous sommes pour l'utilisation du matériel, que ce soit la planche, le tuba, les palmes, l'ensemble de ce matériel, eh bien, il facilite grandement l'apprentissage de la technique en natation. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. T'es prêt? C'est parti! Mais il est indispensable de différencier deux choses par rapport au matériel. Matériel, eh bien, il a deux vertus. Premièrement, il a un côté qui est éducatif. Et le matériel permet donc d'améliorer sa technique de nage et ainsi de progresser, que ce soit en crawl ou en natation en règle générale. Et le deuxième aspect du matériel, ce sont des vertus de renforcement musculaire. En effet, lorsque tu vas utiliser du matériel, eh bien, il est possible qu'il augmente les résistances et ainsi ça va développer ta force ou bien ça va te mettre dans des contraintes qui vont inciter à gainer davantage ton corps et donc développer ton gainage, ce qui va te permettre de progresser. Mais attention à ne pas aller trop vite, car le renforcement musculaire doit se faire impérativement au service de la technique et non pas l'inverse. Car nous entendons et nous lisons parfois dans le groupe Nageur 2.0 que tu peux rejoindre ici si ce n'est pas déjà fait. Alors moi, j'utilise des plaquettes pour renforcer le haut du corps. Je nage un peu moins bien, mais c'est pas grave parce que j'avance plus vite et l'un dans l'autre, ça se compense. Et ça, c'est typiquement la mauvaise attitude et je vais t'expliquer ça pour deux raisons. Premièrement, si la qualité de ta nage se dégrade, eh bien tu ne profiteras pas de ce renforcement musculaire pour nager plus vite. On l'a dit, le renforcement musculaire, il est là pour faciliter et améliorer ta technique de nage. Deuxièmement, si ta nage, elle se dégrade techniquement lorsque tu utilises du matériel, eh bien, tu risques davantage de te blesser puisque avec le matériel, tu vas probablement augmenter les résistances et donc implicitement, tu vas augmenter les contraintes sur tes muscles et puis surtout les contraintes articulaires. Par exemple, une blessure courante dû à la mauvaise utilisation des plaquettes, eh bien, c'est la tendinite au niveau de l'épaule. Et il y a plusieurs défauts qui peuvent l'engendrer. Ça peut provenir du retour aérien, mais ça peut aussi provenir de la phase de traction sous l'eau ou bien même de la phase de propulsion sous-marine. Tes appuis peuvent être soit trop croisés, soit trop excentrés, et ça peut influencer justement sur ce type de blessure. Et c'est pourquoi avec Camille, nous avons créé un programme bras efficace pour adopter une nage fluide et éviter ce genre de blessure. Tu peux le retrouver en cliquant juste ici ou bien dans la description. Et on a déjà des super retours de nos nageurs, on est vraiment fiers de leur progrès. La semaine prochaine, dans la prochaine vidéo, on va voir comment tu peux utiliser eh bien, chaque matériel, que ce soit le tuba, les palmes, l'élastique, le pool boy, pour progresser en natation, pour apprendre à nager le crawl ou bien même pour te muscler avec la natation. Nous te montrerons également comment tu peux utiliser la planche, les plaquettes ou bien même les gants de jardinage, enfin les gants d'aquagym. On va donc voir pour chaque matériel à la fois son rôle éducatif et son rôle de renforcement musculaire. Alors si tu es impatient de voir la vidéo de la semaine prochaine, tu nous laisses un like en appuyant sur le pouce bleu et dis-moi en commentaire quel matériel attends-tu le plus. Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter. Et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne.